Barbara. J'ai beau être enseignante, je ne supporte pas certains enfants. En particulier Junior, le fils de ma copine Valentine. Elle, c'est Barbara, ma coloc. Elle est prof, mais elle déteste les enfants, même celui de sa grognasse de copine. Ouais! Lui, c'est Sacha, mon coloc incapable de grandir et de gagner en maturité. Regardez-le, quand il se retrouve avec ce gamin de 12 ans, on cherche à comprendre qui est l'adulte et qui est l'enfant. Moi, c'est Sacha. Et j'adore plus que tout quand Junior passe quelques jours à la maison. Je prends mon rôle de babysitter très au sérieux. Crétin. Vendredi dernier, Junior est resté pour manger. Tout de suite, il a hurlé. J'aime pas les raviolis, c'est dégueulasse. Bientôt rejoint par ce zozo de Sacha qui s'est permis de dire... Ouais, il a raison, tu pourrais pas apprendre à cuisiner un peu. Je vais surtout apprendre à lui balancer les raviolis dans la figure. Il y a pas longtemps, Junior a mangé avec nous. Le pauvre, il a dû se taper les raviolis en conserve de Barbara. Mais il s'est pas laissé faire, hein. Et il lui a gentiment dit... Et cette mégère l'a envoyé balader en répondant... Écoute, morveux, si t'es pas content, tu retournes bouffer chez ta mère. Le soir même, cette pouffe de Nora est venue pour passer la soirée avec Sacha et Junior. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de chanter comme des casseroles toute la nuit. Le soir, ma super meilleure copine Nora, qui adore Junior tout comme moi, est venue nous tenir compagnie. On a passé la nuit à regarder des Disney et Junior s'est montré adorable. Le lendemain, après avoir passé la nuit à supporter leur boucan infernal, Junior a débarqué dans ma chambre en hurlant dans mes oreilles. Réveille-toi, maman, papa! Et là, j'ai pas su me retenir, j'ai craqué. Non! Le matin, Junior s'est perdu dans la maison à la recherche des toilettes. Il s'est retrouvé dans la chambre de Barbara et, doux comme un agneau, il l'a réveillé en lui demandant... Excusez-moi, madame. Mais ce dragon s'est emporté en hurlant. Et elle a réveillé toute baraque. Mais heureusement, le calvaire est arrivé à sa fin lorsque Junior nous a enfin montré son véritable visage. Il a profité que Sacha soit occupé à dire au revoir à sa pétasse de Nora pour bousiller l'une de ses pluches préférées. Quand il s'en est aperçu, ça a été la crise de nerfs pour ce pauvre Sacha. Non ! Malheureusement, Junior a anéanti toute l'affection que j'avais pour lui. Il lui a suffi de 2 minutes, le temps pour moi de raccompagner Nora à la porte, pour me briser le cœur. Il a détruit mon polka chéri, l'amour de toute ma vie. Non ! Alors, tu vas revenir chez Tata Barbara et tonton Sacha ? Non ! J'adore. Mon chéri, tes raviolis sont prêts. Non ! Libère.